Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un petit colis de la fourmi créative où j'avais commandé un dévidoir pour le ruban adhésif, mais bien sûr plus petit que ça. Donc on va le regarder ensemble, j'espère que ça va être super. Je l'ai vu pas mal de fois. Mais un tuto, mais voilà, je ne le trouvais pas ici et je l'ai donc commandé. Alors, on va regarder ensemble. Voilà, alors j'ai pas commandé grand-chose, j'attends un autre colis. Hein. Alors, c'est donc la fourmi créative. J'ai commandé donc cet appareil-là. Voilà, j'en rêvais. Alors, je vais vous dire si vraiment il faut en rêver ou il faut pas en rêver. Donc, on va le découvrir ensemble. Hein. Je ne l'ai pas ouvert du tout. Je vous attendais. Alors, j'ai commandé ça. J'ai commandé des encres en spray. Hein, on va voir ça. Voilà, les étampes promo. Donc, j'ai commandé. Et puis, il y avait aussi. Voilà. Je vais faire un petit album pour les petits bouchons. Et j'ai trouvé ça mignon comme tout. Une petite planche. J'ai payé 1,57 €, donc bon. Alors, ça, les petits stickers, on les met de côté. Alors, on va commencer peut-être par les bruchots. C'est de la peinture acrylique. On va les regarder ensemble. Et je les ai payés. Pop, les 6 en spray 26,95 €. Ah, voilà, 26,95 €. L'appareil, je l'ai payé le dévidoir, donc de ruban adhésif Scotch, de marque Scotch. Hein, voilà, de la marque Scotch. Je l'ai payé, il y a deux recharges, 28,45 €. Voilà, la fourmi créative. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Vous voyez, c'est un petit colis, hein? Mais bon, c'est quand même des sous, hein, tout ça. Hein? Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, ça, on le met de côté. On va regarder donc les couleurs. Il y en avait 6. Voilà. Alors, on les essaiera. Voilà. Alors, il y a une couleur qui a l'air super jolie. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais tâcher de mettre. Voilà, c'est pas évident. Hein. Je peux vous dire, je ne suis pas super équipée. Alors là, c'est couleur bronze. Hein? Ça sort, ça rentre chez moi. Je fais que ça. Hein? Je dois faire portier dans un hôtel. Donc, couleur bronze, on les essaiera tout à l'heure. Après, là, c'est. Je ne sais pas si vous voyez les nuances. C'est vraiment joli. Hein? Et celle-là, c'est gold. On dirait pourtant les. Ça se ressemble. Alors, après, donc, il y a un bleu et il l'appelle Chimère Spray. Et là, pou-pou, tiens, c'est bizarre. Spray. Turquoise, voilà, turquoise. Là, le nom il est en bas. Alors, turquoise, ça me paraît pas très turquoise. Oh, je sais pas, on va voir. Alors, après, un gris. Un gris. Voilà. Va y avoir un violet. J'adore le violet. Super nuance violet et il y a le copper. Bon, ah, c'est super joli. Je sais pas si vous le voyez bien parce qu'en vidéo on voit pas toujours super. Alors on va les essayer. On va essayer d'abord. Alors, c'est en prêt, je suppose qu'on doit pouvoir.
Là, c'est la Cooper. On va essayer la turquoise. Ah, elles sont belles. Hein. On va essayer la grise. On va essayer la violette. On va essayer la bronze. La bronze, ça fait un peu jaune quand même. Hein. Et la gold. Voilà. La bronze, elle est un peu plus foncée que la gold. Alors, vous voyez, ce sont des peintures après que l'on va pouvoir travailler. Je ne sais pas si elles se travaillent bien ou au pinceau. On va peut-être, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais juste pour, je ne vais pas trop secouer, mais bon, voir un petit peu. Ah, si, ah, c'est super. On va pouvoir les travailler, travailler au pinceau, les travailler à l'éponge, au coulée. Voilà, non, c'est vraiment très très bien. J'en suis contente. On verra, j'en avais pas. Il y avait que la. Comment dirais-je, vous savez, les peintures nouveaux que j'avais mis, attendez que je vous fasse voir, voilà, que j'avais mis comme ça en spray. Et je les avais mélangées avec, avec de l'eau. Et peut-être il aurait mieux valu les mélanger avec de l'alcool. À voir. Bon, ben là, voilà, j'ai mes six encres. Donc, c'est pas mal. Les couleurs sont sympa à voir. Alors, donc maintenant on va voir la fameuse, voilà, le fameux dévidoir. Oh, j'en rêvais quand je les voyais faire. Alors, donc voilà, ça, ce sont les recharges. Alors, voilà. Il n'est pas large, hein, le. Alors, il fait. Moi, je vérifie toujours. Ouais, 0,8, moi, je dirais. Et là, ils le mettent. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Il y a 6,30 m. 6,30 m. Et ça fait 32,9 mm. C'est pas possible. C'est pas 32 mm. Ah non, ça fait. Ah non, non, pardon. Ça fait. c'est le contraire. Ça fait 6,3 mm. Et 32 mètres 90. 6,3. Ah ben oui. 6 voilà, 6, alors voilà. Alors 6,3, voilà. 6, je suis fâchée moi avec les mètres, les centimètres et les alors. Donc chaque petite bobine ici fait donc de longueur totale 32,9 m et de largeur, hein, quand on les colle en fait. Hein, vous voyez, voilà, elle fait 6,3 mm, 6,3, hein, voilà, donc 6, voilà, 6,3, hop, 6,3, et là, donc, 32 mètres, c'est pas mal, hein, donc, j'ai 64 mètres, presque 70 mètres, pas mal, hein. Bon, par contre, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus large. Faut que je vois si on peut trouver des rubans un petit peu plus larges. Alors, je me suis renseignée pour avoir
les recharges. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Et la fourmi créative est en rupture de stock, donc ils les attendent. Voilà. Alors, on va voir l'appareil. Voilà, l'engin. Voilà. Alors, hop, on va le voir ensemble. Hein. Si ça vous intéresse, hein, si ça vous intéresse pas, vous zappez, hein, il n'y a pas de souci. Hein. No soucis. Moi, j'en avais envie. Alors, je suppose qu'on doit lever ça. Voilà. Alors, ça fait un peu comme une machine à coudre, je suppose. Il va falloir, hop, au pen. Voilà. Alors, une machine à coudre, en général, on regarde toujours le sens. Alors là, il y a des flèches qui font ça. Ensuite, ça fait ça. Alors, je suppose qu'on doit mettre... Là, j'ai encore de la peinture sur les... Encore de la peinture sur les doigts. J'ai peur de casser, hein. Ouais, c'est dans ce sens-là pourtant. Ah voilà. Faut pas y aller fort en fait, hein. Alors, je pense qu'il doit falloir enlever. Alors, à mon avis, ça doit être comme ça. On passe comme ça. Comme ça, et là, voyez, en fait, il faut appuyer. Le fait d'appuyer dégage le rouleau. Alors là, on fait ça. Curieux parce que bon, c'est comme ça, bon. Et là, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est pas évident. C'est bizarre parce que là, on dirait que ça va de travers. Ça va peut-être se caler. Alors, faut toujours appuyer sur le... Petit bouton là, à mon avis, mais c'est bizarre parce que ça, on dirait, ça va de travers. Hein. Je pense que j'ai pas dû faire. Ça, c'est bien moi. Hein. Je regarde même pas. Allez hop, pop, hop. Ben, si, pourtant, hein, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et là, on le coince là. Voilà. Bon, on va bien voir. Hein. On va bien voir. Je vais prendre des petites feuilles pour coller. Donc, en fait, il doit falloir appuyer dessus. Alors, pour le moment, c'est pas évident. On appuie. Ah, si, ça y est. Ah, si, c'est pas mal. En fait, vous mettez votre papier où vous voulez le coller. Alors, attendez, on va regarder. On va le faire avec, voilà. On va le faire avec une couleur. En disant que je veux coller le bord. Donc, en fait, je mets bien ici. Le petit ruban au bord, en fait c'est tout bête, hein, et j'appuie en même temps sur la manette. Je lâche, et voilà, la colle est dégagée. Pas si on le voit. Voilà. Et après, bon ben là je fais n'importe quoi. Hein. Mille excuses, hein.
Après, c'est du ruban adhésif, hein, donc je pense que la maîtrise, il doit falloir l'avoir. Ça doit être une question d'habitude. Il doit bien falloir. Voilà. Et là, on lâche. Oh non, si, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Je vous assure, c'est pas mal. Après, c'est d'une marque, hein, c'est du scotch. C'est un peu gros comme appareil, mais c'est pas mal. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, bah, je vais vous laisser. Et je pense que j'en serai contente. Maintenant, il va falloir que je trouve des recharges. Et je vous dirai ben, si j'en ai trouvé. J'ai essayé Eurodiscount, j'ai essayé Amazon. Pour le moment, ils sont en rupture de stock. Alors, s'ils sont en rupture de stock, c'est qu'en fait, l'appareil peut-être plaît beaucoup. Hein? Donc, ben, je vous dirai ça. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt parce que là, je continue le tuto. Vous savez, mon tuto pour le petit album vintage style anglophone. Hein? Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.